Paul@palais.com. Journal 4. 4 chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4, un seul journal à l'ESA dans tout le pays. Journal 4, nouvelle totale. Nous disons tout le monde bonsoir, puis l'information nous va gagner pour nous développer pour après-midi. Dans le journal, ça, c'est en bas en pile émotion, mais tout avec dénonciation contre l'État haïtien, responsable collège évangélique Maranatha, avenue Bolos, organisé jeudi à 13 novembre, cérémonie pour songer ça qui est passé exactement une année dans l'école. Ça, côté la police, tu as mené une opération dans une gravine. Côté agent de la police, il y a des gens qui ont mouru, mais il y a massacré plus de 8 personnes parmi les gardiens de l'école là, avec les enseignants. C'était 13 novembre 2017. La cérémonie a été déroulée en présence de diverses autorités, dans commune, et divers représentants d'organisations chrétiennes protestantes, et puis avec mission évangélique baptiste d'Haïti, et puis député circonscription, avec plusieurs autres représentants en cours. Et pasteur, sénateur, Dieu Pichérubin, t'es parmi et monde qui t'es présent. Et puis, il y a un protecteur citoyen, Renan Edouville, qui paraît une note pour la presse concernant geste que leader plateforme Petite Dessaline a fait samedi et pour te monter drapeau noir à rouge, non? Sous Vertière, qui est un monument historique et public. La porte précision sur notre ça, faut que nous dit tout, RNDDH, pour une position de principe par rapport à ça qui passe dans une note. L'autre point dans l'actualité, la Commission Travaux publics, Transport et Communication dans le Sénat, je ne veux pas attendre PDG Digicel, Martin Bout, sous divers problèmes qui gagnent chaque jour et façon compagnie à fonctionner parce qu'un pile client a plein. Président Commission ça dans le Sénat, qui c'est Hervé Foucan, fait qu'on ait posé diverses questions. Et le fait que les clients n'ont pas satisfait du travail compagnie ça a fait en Haïti et qualité service a offri. Selon Hervé Foucan, ak sénateur Sorel Jacinthe, il fait qu'on est responsable Digicel yo dans rencontre de gain avec yo, parler de difficultés pa yo y a fait face dans pays pour yo fonctionner. Et n'attendé Martin Bout bien entendu et qui parlait de diverses difficultés ça yo et que compagnie Digicel a fait face à cause des problèmes matériels, gaz et fibre optique. Il a perdu chaque jour, selon M. Bout. Situation ça empêchait compagnie à fonctionner comme ça doit, d'après ça le dit. Activité toujours bloquée dans le tribunal civil Port-au-Prince. Ça fait déjà 2 semaines depuis que Baro, capitale là, a fait grève. Après une résolution, il a été pris en assemblée générale pour exiger démission ou bien révocation commissaire gouvernement Port-au-Prince. Non, mais clamé au CNAM d'Améus concernant incident qui est arrivé le 9 octobre. Et puis pour directeur police dans l'Ouest, Berson Soljou, avec policier qui était impliqué dans l'accrochage, avec 2 avocats presque dans la même période là, dans Delma 33, pour tout le monde qui a été allé en prison. Maître Nelson Fleckou, ancien candidat à la présidence, Mambaoua, fait qu'on ait un mouvement grève ça qui déclenché dans le tribunal là, bloqué dossier, une série d'avocats parmi eux lui-même, et dossier a traité. Dans ce sens, avocat qui était candidat pour poste président et dernière élection, Jean-Claude Zodil, mandé autorité concernée au prendre disposition pressée pour résoudre crise ça. Mais tout, il était tout profité à aborder une autre question. Et côté Maître Fleckou, dénoncer décision, il dit gouvernement prend pour mettre en disponibilité substitut commissaire gouvernement Port-au-Prince qui te mettait interdiction de départ contre ancien premier ministre Evans Paul. Et puis, n'a bien pour nous parler de plusieurs autres points que chaque jour dans l'actualité a pas manqué, son actualité qui loue et qui chargé coulé bas, mais premier coup de pied d'actualité internationale là, à peine ni retourné sorti dans pays la France, c'est ça président américain blié, li pa di sous président français a, et Macron pour lui-même qui pas président qui populaire, et puis il dit m'a pas de parler de nationaliste par un pays qui nationaliste passé la France, et puis il fait qu'on est tout à 10% de chômage, donc pas quoi que Macron est trop bail pour dit d'après ça le fait qu'on est. Mais ce n'est pas seulement sous France, il y a sous plusieurs en même temps.
et côté li a envisagé pour le faire ou passer mais encore dans gouvernement non côté général John Kerry qui responsable après secrétariat président sont capable tomber même Jean Tou ak patron Homeland Security al ka mete yo a terre et faut nous dit tout la surveiller tout quoi lettre qui sous du feu ça cap passer dans recomptage concernant élection côté des poulains qui menacés par exemple dans état Floride et puis à Georgia mais démocrates font gagne dans Arizona et son gagne historique pour la première fois une femme qui sorti dans état ça pour aller rentrer dans Sénat américain mais en plus de ça c'est pas n'importe qui femme quoi on t'a dit parce que son femme complètement iconoclaste qui peut aller entrer là, c'est un bisexuel et il y a subi tout ça lié. Madame Cinéma, c'est non. Et puis, l'autre point dans l'actualité, c'est Californie. Ils ont considéré que c'est Pigou du fait que j'aime et bouler forêt dans l'état ça qui est dans l'ouest pays États-Unis. 42 personnes mourir, environ 200 disparaître. Je ne vais pas compter par les cailles avec bureau, l'état qui boulait et jusqu'à présent, du feu ça, il est hors contrôle. Et deux gros foyers et qui a frappé en même temps une dans plage ça qui célèbre dans le monde entier Malibu qui c'est plage superstar et superstar Hollywood. N'a bien pour nous parler de plusieurs autres points encore dans actualité locale là qu'actualité internationale là invité journal 4h après-midi à ancien secrétaire d'État justice maître Jacques Auxilius sous dossier ça est les mesures conservatoires que paquet a dit prend dans cadre démarche et mesure il dit que paquet a prend concernant deux dossiers la danyo Petro-Caribé et puis avec dossier Kitcho nous était quoi qui était mort était enterré et concernant des compagnies des demander paquet Port-au-Prince dans commissaire gouvernement demander la banque et pour yo bloquer compte compagnie ça dans cadre enquête dit la peine. Information ça y a qu'un pilote. Nous va gagner pour développer pour après-midi à notre journal ça. Paulmapalais.com. Oui, y a une rectification concernant titre de fait dans journal là et client maître Nelson Flekoula, c'est pas ancien premier ministre Evans Paul, c'est un autre citoyen relé Evans Paul. Et donc c'est Evans Paul, c'est pas ancien premier ministre Evans Paul concernant interdiction de départ là. Et puis l'autre précision concernant journal là faut que on dit jeudi a fait 3 ans depuis te gen gros attentat ça qui t'est fait dans ville Paris puisque 130 monde t'est perdu la vie jeudi à la France commémorer date ça et puis pour la première fois un média porte plainte contre un président américain en fonction d'après avoir li bafoué liberté la presse c'est ça CNN fait journée jeudi à et concernant journaliste li qui victime et de intolérance président américain Donald Trump t'est manifesté et toujours manifesté contre CNN depuis arrivé sous pouvoir mais qui dépassé toute limite et semaine passée à et après élection mi-mandat Jim Acosta qui c'est chef correspondant CNN dans Maison Blanche et président Donald Trump fait retirer accréditation CNN nan non amendement qui garantit liberté et d'expression et liberté la presse premier amendement demandé et pour Donald Trump rétabli et journaliste yana fonctionne qui donc pour rebal accréditation pour fonctionner et normalement comme chef correspondant et CNN dans Maison Blanche et en plus de ça tout gen association et journaliste qui correspondant dans Maison Blanche qui appuyé CNN et dénoncé situation ça qui font véritable tollé dans pays États-Unis. On a vini la caïnou avant pour nous retourner dans question de la poussa mais nous connaissons l'autre point qui domine l'actualité à youn la dan yo mobilisation qui a fait pour date 18 novembre nan, qui c'est dimanche youn date qui va sauter et dans milieu diplomatique yo grand pile inquiétude parce que yo façon yo ouais pouvoir son pouvoir qui fragile sous compte Dieu elle y a demandé y a cherché connait qui ça pourrait passer et 18 novembre non et en pile la Perez et dans milieu économique yo tout et divers côtés et y a demandé 18 novembre non et après qui j'en situation à pied dans pays d'Haïti gain l'autre information qui a circulé faire connaître gouvernement tout
à chercher l'argent, débloquer l'argent pour capable di arroser quartier populaire, même j'ai été fait pour 17 octobre pour pas ta gain mobilisation et pour 18 novembre. Ça c'est un gros point, pas oublier 18 novembre non, c'est qui s'allier, c'est bataille contre mauvaise gouvernance, contre corruption. Et c'est ça lié, c'est manifestation 17 octobre là, c'est ça lié. Yeah. Et naturellement capable toujours gain débat. Par exemple, nous pas capable parler d'un seul sujet et puis pendant que négliger tout l'autre, pendant que n'a dénoncé et affaire Petro-Caribéen, mais nous qui ça cap passer dans l'état quoi il est là, dans quel niveau corruption y est, qui contrôle qui gagne sur ça l'état fait nada. Et tout ça est mérité pour entrer dans débat. En plus de ça tout, y a opposition pas qu'à réduire seulement à faire manifestation. Est-ce que gagne réflexion qui a fait? Est-ce que gagne analyse qui a fait par rapport à la situation? Est-ce que gagne des propositions et qui a fait? Et tout ça yo qui inquiétait divers secteurs. Mais ça pas empêché l'autre samedi qui c'est question pour population mobilisée. D'ailleurs, en pile monde saluer et le fait que et journée jeudi a un certain réveil qui a fait non mitant et population. C'est pas toute population qui réveille, mais si c'est toute population qui réveille, c'est déjà j'ai pas d'accord ça, parce que c'est quoi au dou si et bœuf l'ante qu'on est force li on petit monde pas camenel en pile fois peuple yo pas connait force yo. C'est pas et pas toute population qui réveille, gon partie dans population qui t'est plongé dans sommeil et qui a essayé ouais là si cal ouvrir gel pour la garder. Donc comme si yo joine ça, yo prend dossier Petro-Caribéen, mais dossier Petro-Caribéen son symbole lié parce qu'il porte la donne toute corruption, toute mauvaise gouvernance, tout abandon, toute négligence, tout coup de poing dans dos que tout gouvernement bay peuple haïtien, tout déni de justice, déni d'éducation, déni de démocratie, déni de la vie, parce que le peuple n'a pas qu'à vivre. C'est tout ça qui symbolise. C'est une espèce de locomotive qui a porté toute notre revendication. En tout cas, c'est ça nous espérons. Alors, pas gagné un sujet qui a faire nous oublier ça, qui c'est question mobilisation sous dossier Petro-Caribéen. Nous n'avons pas oublié tout des événements qui marquaient de monde dans la population. Et tant que ça qui est passé exactement gain un an, c'était 13 novembre, dans le collège évangélique Maranatha, dans Bolos, tout près de Grand Ravine. C'était grand pile d'émotion, jeudi, à l'occasion, première commémoration, ça, côté équipe radio, Télé Kiskeya était présent, était organisé une cérémonie pour marquer date ça. Date ça, la police a mené une opération pas contrôlée. Et puisque toute information pour le révéler, on a après pour le montrer ça. Et tu as l'ordre, tu as contre l'ordre, tu as qui est-ce qui te baille. Alors que les policiers te recevoir l'ordre pour te quitter la zone, ils recevront l'ordre qui fait l'autre retourner. Et puis pour le policier qui peut mourir, mais il y a massacré pour plus 8 personnes dans l'occasion. Ça y est, là d'ailleurs, gardien l'école là. Et puis tu as enseignant qui victime tout. Cérémonie ça a déroulé en présence de divers représentants de la communauté chrétienne protestante, là, en cours, représentant Mission Union Évangélique Baptiste d'Haïti. Et l'école là, c'est l'école et tendance religieuse, ça, UBEH, Fédération Protestante d'Haïti. Depuis la troisième circonscription, Port-au-Prince, Prétend Bélisère, tes présences avec sénateur sud-est, là, qui se passe tout, Dieu Piché Rubin, parents, anciens, avec élèves qui dans l'école la journée jeudi, yon l'année après, eh bien, yon pas encore guéri, en pile, question était sans réponse, en pile, famille toujours sous choc, toute promesse qui était faite, yo, que d'avoir accompagné l'école là, promesse justice, lumière te doué faire sous dossier, nada, nad marinade, selon directeur général collège là, ingénieur Armand Louis, nous sommes des gens qui étaient maltraités, la police t'a arrêté, ça t'a provoqué une grosse mobilisation, dans le monde protestant, avec le monde éducatif en Haïti. C'est ça que tu as fait, il t'a pris à jeune libération. Nos reportages, Gervens Ricardo Jean-Jacques. Tout ça! Tout ça! Coulé noir avec blanc pour décorer stand qui était dressé pour occasion 1, moun kap crié, prend crise, si la quitterie sa glonanger. Mais bon, dis pas, j'aime la guéo, j'ai fait connaître ça dans divers chants qui interprétaient.
Maranatha nous pas jamais oublier, c'est un baptême ça, cérémonie pour marquer première année mauvais acte collège la Tessibi en bas mais la police qui t'a fait quoi la chercher bandit grand ravine déroulé. Parents tant qu'élève l'école là montrer pas faut oublier juste ça. Yon troupe l'école là, gen yon jen spécialité montrer ça. Mais si mon Dieu Madla, mais qui ça Maranatha t'a pris? Ah, nous t'a péri, nous t'a disparu, nous t'a fini avec. Mitcha Maël Jacotin, élève 3e année, dans témoignage li fait dans ces constances là, montre que jean policier yo nan moment pa gen aucun respect pour dignité moun. Dans espace côté ti moun piti ak adolescent vini pour prendre l'instruction. Il y avait des policiers partout sur la cour. J'étais effrayé ainsi que mes camarades. On s'agitait dans tous les sens. C'est alors que les policiers ont commencé à lancer du gaz lacrymogène comme s'ils avaient oublié que nous étions là. Affolés, nous nous sommes mis à courir, à crier. On ne savait plus quoi faire. Normalement, on ne devait pas avoir peur des policiers puisqu'ils sont là pour nous protéger. Mais ce jour-là, c'était comme s'ils étaient là pour nous tuer. Ils tiraient partout sur la cour. Nous aurions pu être à l'image de certains jeunes de la zone, hommes à l'armée. Mais cette école nous a armés de la Bible et avec la parole de Dieu. Alors, pourquoi détruire cette école? Pourquoi nous détruire? Pourquoi? Il y a un événement qui fait la peine, côté la justice par rempli mission. C'est dans le thème ça, yo, président mission Union évangélique Baptiste Haïti. Pasteur Jean Bilda Robert, considérez ce qui était passé dans le collège Maranatha. Nous saisissons de toutes les occasions propices et de toutes les voies légales pour réclamer justice pour notre communauté. Cet État a délibérément choisi de se fermer les yeux sur la gravité des faits. Que l'État haïtien sache, malgré ce qui s'est passé et en dépit de la lenteur de son indifférence, l'UEBH tient à jouer son rôle de lumière et de sel dans la communauté. Directeur général CEM Nan, qui est dans la mission UEBH, ingénieur Armand lui déclarait les révolter devant incapacité autorité l'état aujourd'hui jodia pendant l'étape tournée sous mauvais moment l'école là a été passé en bas la police enseignant qui gagne plus passé 30 années carrière dans domaine là mandé qui ça l'école là qui fait pour mériter qualité traitement ça. Qu'est-ce que Maranatha avait fait pour mériter un tel sort? Sinon que remplacer un État absent, un État irresponsable, un État toujours insouciant, un État qui se moque de la privation et de la misère des plus défavorisés de la société. Si ce n'est construire une école de référence, qu'est-ce que Maranatha a fait? Sinon que mettre une école technique à la disposition des jeunes pour qu'en lieu et place des armes à feu, sémant la mort et la destruction que des ennemis de la patrie ont mis entre leurs mains, qu'ils aient une profession. Qui est-ce encore qui a financé Bandi Paboïcite? Question, ingénieur lui répond lui-même. Il y a une série quartier d'après lui qui était résidentiel, acte touristique, transformé net. Directeur a pas mettre l'eau dans bouche pour dénoncer modèle l'État pays a gagné là. Il y a un État qui a trip soumis à moun, qui a fait promesse sans le pas honorer. Il y a l'État côté trois pouvoirs. Pas vraiment existé, d'après ça le fait comprendre. Indigné de constater que mon pays, auquel je dédie ma vie et celle de ma famille, soit basculé dans l'anarchie. Qu'est-ce que les hautes instances de l'État ont fait pour éradiquer, sinon contrer le phénomène du banditisme dans le pays? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour empêcher aux différents quartiers populaires du pays d'être pris en otage par des bandes armées que certains de nos dirigeants financent honteusement en secret? Des quartiers de la capitale, hier touristique, hier résidentiel, soient aujourd'hui marginalisés, comme l'habitation de l'éclair, le fort mercredi, le bicentenaire, comme les avenues de Bolos. Collège évangélique Maranatha qui gagne 70 l'année depuis qu'il existait dans Afni Bolos, pas loin quartier populaire Grand Ravine, sans compter l'école professionnelle les gagnants, compté pour année académique 2018-2019 là, 750 élèves. En plus outils pédagogiques qui toujours bail résultat yo vanté tête yo, l'école l'a disposé pour élèves yo plusieurs autres disciplines pour développer capacité yo, tant coup chant, théâtre, musique. Jean Fanfa l'école l'a tap chanté ça. Louange, l'honneur, avec la gloire t'est adressé bail bondier. Ainsi, reconnaissance pour ça l'y fait pour l'école là, ça l'a continué fait, malgré problème. J'ai responsable de exprimer ça, avec Atis, qui t'a chanté yo. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Radio Kiskeya. Oui, merci. Un moment de douleur, une autre fois encore, toute sympathie, toute équipe Radio Kiskeya, pour toute équipe collège Maranatha et tout le monde qui était victime, mais tout
Nous connaissons la douleur tout dans la famille policier qui était victime. Et c'est un désastre opération Satéye. Nous espérons que la police prenne leçon et institution dans la planification opération. Et genre de moment ça a eu, ben occasion justement pour police d'entrer retourner sous opération ça. Et c'est une dans route et dans clé guérison souffrance ça yo. On retourne sous les affaires drapeau à sénateur Moïse et provoqué j'en que nous connais samedi dans Vertière côté gagnant protecteur citoyen Renan Edouville qui dit non, il n'est pas d'accord avec profanation drapeau national. Mais ça, notre plan dit, Office en protection citoyen, qui sont institutions liées à appliquer indépendantes, qui sont chargées pour protéger et faire promotion de droits monde selon la Constitution 87 ans, et que le peuple haïtien a adopté dans le référendum après avoir fini de mettre deux dictatures du Valier à terre. Il dit qu'il voulait exprimer et de fait, il a exprimé indignation par rapport à l'affront. Notre plan, peuple a subi, peuple haïtien, à date samedi 10 novembre 2018, et pendant une manifestation politique qui t'a faite dans la ville au Cap haïtien, il y a des individus qui montaient drapeau noir à rouge dans son monument historique en public en Vertière, là, et qui passaient en papier constitution à la République. Là. Et pendant que reconnaître le droit chaque citoyen gain pour exprimer de façon libre et libère opinion, OPC estimait que Zaksa, c'est un affront que personne ne doit accepter. C'est une soufflette qui attaque la dignité du peuple haïtien, danger toute l'humanité. OPC rappelait que la constitution haïtienne, dans l'article 2, dit bien clair que la couleur du drapeau national, là, c'est bleu à rouge lié. Tout citoyen gain pour obligation de respecter la constitution. À tout emblème national, là, en référence à l'article 52-1 dans la loi pays. Et adoption, ça, c'est fruit et en pile année bataille que en pile monde qui est artisan démocratie te mène dans le pays d'Haïti. Journalistes, religieux, défenseurs de droits monde, intellectuels et toute qualité, l'idée qui te brassé, en pile là-dedans, yo gagné et qui perdu la vie, yo gen l'autre qui prend prison. Dans cachot fort dimanche, il y a l'autre qui mangeait l'exil pour te permettre cause démocratie avancée dans la bataille contre la dictature en Haïti. OPC mandé autorité yo, recommandé yo pour prendre à travers instance qui là pour ça toute disposition qui cap faciliter une campagne éducation à la citoyenneté et au patriotisme qui fait dans pays hein, valeur ça yo presque pas existé encore à cause de mauvaise gouvernance politique qui établit dans tel pays depuis plusieurs dizaines d'années. C'est Renan Edouville, protecteur citoyen, qui signe notre ça. Dans le micro, Beethoven, François Fils, la porte plus précision. Nous mettons notre nous tenons compte de croyances que nous avons dans la question de démocratie et question de tenons compte de ça que nous-mêmes, en tant que haïtiens et en tant que pile, notre monde vivent pendant des moments noirs de l'histoire nationale. Donc nous-mêmes, nous estimons ça qui arrive samedi 10 novembre 2018, là, son bagage qui est inacceptable. C'est un affront, c'est une soufflette que les haïtiens prennent, que nous avons un monde qui est payé de leur vie, changement de cap avancé dans la question de démocratie en Haïti. C'est inacceptable parce que pour le drapeau national, là, c'est bleu et rouge et il garanti par la constitution haïtienne en son article 2 et article 52-1 il fait obligation pour que le monde respecte en plein national. C'est fruit de lutte dont c'est de journalistes qui étaient acceptés payer de leur vie. Et là, nous sommes capables de citer nos journalistes comme Richard Brisson, des historiens qui portaient disparus, bien qu'on connaît les cachots de Force Dimanche. En votre qualité de protecteur de citoyens, il y a un dossier là qui retient attention nous, c'est question paralysie activité ou non tribunal. La première instance pour le président, paquet pour le président. Qui ça et au PC dit non, c'est ça? On a rempli de chargés et nous avons rempli de préoccupations. Nous-mêmes, nous estimons que ça qui est le jour de là, c'est parce que le monde qui est chargé de l'administration et du fonctionnement de l'administration, de la justice, eh bien, il n'y a pas fait travail. Il n'y a pas fait preuve de leadership. Si on était intervenu en amont, eh bien, nous pensons que Bagala va être dégénéré. Nous comprenons la position des confrères du barreau de Corbière. Par contre, n'a pas d'être tout également que paralyser ça, il entraîne
de graves conséquences sur le principe de la liberté individuelle. En tant qu'institution qui l'a pour veiller au respect et à la protection des droits humains, parce que nous sommes fermes, nous avons contacté les parties pour nous. Nous avons contacté le directeur départemental de l'Ouest, qui c'est Yuna Mondi concerne la question. Nous avons contacté le commissaire du gouvernement. Nous avons gagné des pourparlers avec le conseil de l'ordre des avocats du Port-au-Prince, l'inspection générale de la police, qui c'est la police de la police. Et nous avons dit que volonté nous, pour que nous, si nous voulons, nous avons joué rôle médiateur dans la question pour nous, si nous sommes capables de nos solutions. Voilà, c'est protecteur citoyen Renan Edouville sous question ça qui a fait débat. Gentou RNDDH, réseau national qui a défendu un droit monde, qui prend position de principe concernant le dossier ça, mais ça le dit. RNDDH a condamné le fait que vous mettez un autre drapeau dans place drapeau national. Réseau national qui a défendu droit monde, RNDDH, dit ça avec saisissement la prendre dans la date 10 novembre 2018 là, sous et place Vertière dans, au Cap Haïtien des individus qui ont gagné en tête aux militants politiques. Jean-Charles Moïse te bay tête yo droit pour yo te monter un drapeau on l'autre couleur que drapeau national là et sous monument ça NDDH estimé là c'est un acte désordre anarchie et que di condamné avec toute force li et li rappeler que drapeau c'est emblème pays allié c'est une principal symbole identité tout peuple haïtien et là yon moun prend ou bien remplacer ou mettre yon lot nan place li ça veut dire c'est ça le représenter a parce que c'est li représenter identité pays d'Haïti donc yon pa ka jouer avec li et comme on fait ça réellement ou bien fictive c'est identité le représenter au moyen NDDH estimé que divers problèmes pays d'Haïti a fait face jeune jodi a yo pas capable résoudre parce que yo changé couleur drapeau au contraire événement 10 octobre 2018 yo ça yo fait yo vinn bay yon lot sujet nan actualité a espèce de diversion qui en définitive comme conséquence li pral gagner c'est détourner jè peuple haïtien sous principal sujet qui lié à respect droit li en tant que citoyen droit politique, droit économique et social. En plus de ça, leur bien gardé dans tout état démocratique, respect emblème national, là pas une discussion sous lit. Si des citoyens t'a décidé pour Jean Ovlé, yo fait ça Ovlé, yo créé drapeau pa yo, yo monter et sous monument bien édifice public, eh bien qui est-ce yo pral mandé pour gagner respect si chaque monde capable faire ça. Et NDDH dit di content. Pour le non euphorie te gen en moment pas gen aucun incident et que monde était capable regretter que t'est arrivé samedi à Vertière parce que lui dit l'homme des un jeune pour monter en l'air sous tête pas drapeau qui sont danger pour la coquer dont l'autre drapeau dans place bicolore national là c'est exposer la vie jeune ça et pendant que on foule qui était là t'a encourager alors c'est pour encourager pour commettre un acte qui illicite, qui illégal. RNDDH invite tout citoyen dans pays à pour respecter emblème national là. Jean que article 2 à 52.1 dans constitution haïtienne qui en vigueur mandel et recommande tout pour tout monde agir en tête frette pour capable faire revendication peuple haïtien qui juste rivé passer. Son position de principe RNDDH exprimé sur dossier ça. Alors en pile recherche sous question drapeau pays d'Haïti. Toute recherche montrait que Dessalines ensemble avec tout fondateur nation ça, il était adopté drapeau bleu et rouge là dans moment pays a prend indépendance temps. C'est en 1805 les Dessalines vinn empereur et dans ça li monté drapeau noir à rouge là. Drapeau depuis le commencement était bleu à rouge et c'est deux bandes horizontales qui étaient que créé en 1803 et adopté à partir de 1820 devient drapeau off et officiel en 1843. Et c'est gagné après ça pour gagner drapeau noir à rouge dans tout dans histoire nous pour en 1805 et sous empire des Salines. Et puis Christophe tout
ta pral adopté li nan nord, nan royaume du nord là, mais li modifié li, li te meton écusson nan mitan et puis après ça Duvalier pral vin adopté l pendant toute réunion jusqu'à cette jusqu'à février 1986. D'après ça l'histoire rapportée et matin sur mon d'attendre Valesco, Fritz Valesco qui fait émission sur l'histoire, fait papier d'histoire et chaque jour sur Radio Kiskeya lundi privé jeudi, il débat en pile détail et sous question drapeau. Alors c'était gain en pile combat et entre l'armée française dans et puis avec et Zansatio qui t'a goumé pour racher indépendance non et il rapporté en pile histoire anecdote que français yo c'est le lendemain le 19 et yo pral konnen le 19 mai que drapeau a changé parce que pour eux-mêmes le fait que drapeau ça t'a été nan main officier yo officier indigène yo t'ai pensé que t'ai adopté drapeau français mais par la suite les Dessalines apprennent ça et dans ti rivière de la Tibonite li pral retirer parti blanc dans drapeau et puis yo pral gagner drapeau bleu à rouge non que tout chef yo dans période ça tout corps l'armée indigène non dans réunion te gagner AKR 18 mai 1803 pral adopter tout général yo approuver décision générale en chef là et côté il était allé sous place d'armes qui était gain dans ça et présenté solennellement by régiment yo et qui était formé là nouveau emblème yo qui montrait que yo divorcé à jamais yo séparé de la France d'ailleurs c'était seulement ça nous fini pour toujours avec la France et au commandement français a vient apprendre événement c'est l'amiral Latouche Tréville qui t'a pas navigué entre Port-au-Prince à Cayes et que yo capturé le lendemain 19 là et yo été capturé un bateau indigène qui te gain drapeau ça sous li bleu à couche d'après ça yo rapporté donc Dessalines Jean que te dit li t'a pral mettre drapeau l'Elvini empereur et après assassinat l'empereur en 1806 et Pétion t'a dirigé l'ouest avec sud alors que Christophe t'est dans nord et bien t'après gain modification que t'après fait dans drapeau dans ça Pétion a venu avec drapeau bleu à rouge non pendant que Christophe lui-même dans nord 1811 jusqu'à 1820 lui-même il était avec drapeau noir là et rouge non mais avec un écusson royal dans mitan qui dit moi net de sang et qui écrit en latin et dans l'amour Christophe et général Jean-Pierre Boyer qui était venu et remplacer Alexandre Pétion en 1818 est venu et retourner à drapeau bleu à rouge parce que nous prend contrôle nord faut que nous du pays a été séparé divisé pendant au moins 14 ans ou te gain royaume du nord là ou te gain république l'ouest là qui te gain la dans sud qui était sous contrôle Pétion et toute zone natibonitan était sous contrôle et avec nord-ouest et royaume Christophe. Et donc gagnent et armes de la République qui vient dans drapeau, c'est Pétion qui était adopté et après un vote qui était fait dans constitution 1843 dans article 192 dit couleur nationale et drapeau d'après ça dit officiel et c'est bleu à rouge qui placé horizontalement et ça les armes de la République là qui sont palmistes qui ont un bonnet frigien sous tête ni qui c'est bonnet liberté avec un trophée et avec les gens ça union fait la force donc et c'est ça que constitution 87 là les mêmes li pral consacrer il y a toute une chronologie sous histoire drapeau a commencé d'abord à drapeau la France donc qui lui-même tout subi de modification dans présentation dans histoire parle et vini avec un premier drapeau bleu à rouge non qui était vertical et puis après ça vient évoluer il vient horizontal à partir de 18 novembre 1803 et puis 8 octobre 1804 Dessalines proclamé empereur sous nom Jacques Ier li adopté dans date 20 mai 1805 nouveau drapeau noir à rouge l'en vertical couleur ça symbolise liberté couleur rouge non l'en mort couleur noir et puis après événement 17 octobre 1806 yo côté assassiné l'empereur et pendant 14 ans pays a été divisé en deux parties une partie nord était sous contrôle Christophe partie sud à l'ouest était sous contrôle et Pétion
et donc et Pétion lui-même te fait flotter et drapeau bleu à rouge là et il te vient ajouter et les armes de la République avec l'union fait la force. Il y a un carré toile blanche dans mi-temps qui pas de gain avant et côté mettez ça les armes de la République là avec et bonnet et phrygien et drapeau ça flotter sous palais national pays d'Haïti pendant 158 ans jusqu'à l'année 1964. Et 27 décembre 1806, général Henri Christophe, qui était nommé d'abord président, et puis c'est nord, nord-ouest, et qui était reconnaître, et puis après ça, pita en 1807, la Tibonite reconnaître, le 28 mars 1811, devenu roi, et sous nom Henri Ier, sorti 1811, privé 1820, et empereur là te kembe couleur noir à rouge là vertical mais avec étendard impérial pal là et dans nord 1805 que te mette dans mi-temps drapeau Jean que te dit ou qui disposait dans mi-temps côté le mette yon phénix dans un cercle et qui dit m'a pour renaître m'a pour ressusciter de cendre mais te gon l'autre écursion l'autre drapeau tout qui semblait à drapeau vénézuélien. C'était 9 février 1822, Jean-Pierre Boyer, l'annexé partie espagnole, qui c'est République dominicaine, côté pendant quelques mois, dans date 30 novembre 1821, était proclamé indépendance de l'Espagne sous nom República del Haïti espagnol, et République de Haïti espagnol, là, parallèlement, et Union à Grande-Colombie, t'es un drapeau ça qui t'est flotté tout, et drapeau couleur jaune, et bleu à rouge là mais rapidement que Boyer et yo t'après abandonner et puis après ça il retourner encore drapeau bleu à rouge là et te gon tentative qui t'est faite pour remettre drapeau noir à rouge drapeau des Salines non et à Christophe et en 1844 il était échoué en 1847 Faustin Soulouk t'est élu et en 1849 li proclamé tête li empereur sous nom Faustin Ier sorti 1849 privé 1959 dans la constitution 1849 là il était adopté drapeau bleu à rouge dans mais il était remplacé à Moirio avec écussion pâle en tant que empereur empire Faustin Ier qui finit dans date 15 janvier 1859 et côté au déjeune et ça les armes de la République là était dans mi-temps drapeau ça puis Fakouton François Duvalier qui élu d'ailleurs en 1957 dans tête pays là. Et puis li rébissé vin président à vie et dans commencement année 60 yo dans ça il gen tout pouvoir nan men et en 1963 il créé yon grand parti yon le parti unique avec yon constitution que le contrôlait adopté 25 mai 1964 et li changé drapeau noir à rouge et drapeau ça officiellement te confirmé 21 juin 1964 cependant à Moiri République là, il était kembé. Duvalier mouri 21 avril 1971. C'est une république héréditaire. Il passait pouvoir by petit li Jean-Claude qui peut encore gagner l'âge majeur. Dans période ça a été 21 ans, était baissé l'âge li pour être capable de venir président à vie. Et après une révolte populaire qu'on connaît, 7 février 1986, peuple haïtien mettait fin non dictature Duvalier yo. Et puis dans le mois février 1986 et KNGP était en tête li Henri Nanfi avec William Regala sous pression populaire c'est pas eux même qui t'ai fait pour compte contrairement à ça qui dit Nanfi était obligé changer drapeau que constitution 1987 la préférence là pour le confirmer dans article 2 pour le drapeau ça et Nanfi et même gagner et ça entrer dans l'histoire pendant que il y a descendre drapeau noir à rouge là pour monter drapeau bleu rouge là drapeau a bloqué et n'importe monde qui gagne image capable voir ça nous connaissons effacer toute bah ça dans national parce que grand pile monde qui était besoin pour pas avoir tête yo qui était fait partie de dictature et yo te prend tout et patrimoine ça dans terre national mais probablement il y a des monde qui gagne et côté les nanfi a monter drapeau bleu rouge dans sa peuple on dit comme ça et ben on va monde qui fait partie de système macoute là pas ca reconnaître dans drapeau ça et ça fait drapeau a été bloqué dans même et c'est en bas pression populaire c'est pas volontairement nanfi te en crété il t'a changé drapeau c'est peuple haïtien qui te dit que c'est pour nous retourner à drapeau bleu à rouge.
paul@palais.com. Ou toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre Journal 4 ans, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre-Louis. Je salue tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com, quel que soit côté. Et tout ça qui a recevoir sur plateforme intelligente. Non, international, là d'abord, nous parlons dans le pays la France qui commémore, jeudi, à 3e anniversaire, attentat 13 novembre, c'était dans l'année 2015. Autorité pays la France rend hommage à les victimes qui étaient mortes, à ceux qui étaient blessés, en bas mais un commando djihadiste qui a fait attaque ça joue ça. Et première étape et je dis à cérémonie mémoire ça t'es faite dans stade de France non dans Saint-Denis et côté c'est là et trois premiers djihadistes t'es explosé tête tu t'es fait première attaque là qui t'es tué un monde. Et côté de gagner yon dizaine plusieurs dizaines de monde qui étaient blessés. Et premier ministre français Édouard Philippe, ministre intérieur Christophe Castaner, magistrat ville Paris Anne Hidalgo, yo te font pèlerinage journée jeudi a et côté yo te allé dans stade de France côté premier attentat a été fait pour te saluer famille Manuel Diaz qui était perdu la ville, c'est seul monde qui était mort dans attentat stade de France. Après ça cortège non t'es allé dans villa capitale là côté gain café terrasse dans bar yo dans restaurant yo et que djihadiste yo t'es attaqué côté t'es fait fusillade yo côté t'es gain 39 moun qui t'es perdu la vie yo moun qui t'es chita dans café sous terrasse qui t'es dans bar et c'était un fait d'après-midi et puis yo fini attentat dans une grande salle spectacle qui gain dans capitale là les Bataclan. Et te gon concert qui t'a fait la donne qui dans 11e arrondissement. Donc c'est je dis c'est ça responsable yo fait, yo fait même parcours pour rendre tout monde ça yo hommage. Alors Bataclan li même divini comme symbole et attentat ça côté te gain tout monde ça qui t'ai perdu la vie. Yo. Et plus que 80 monde t'ai mouri dans Bataclan. Policiers, secouristes, victimes yo parents victimes yo et plusieurs centaines monde simple citoyen monde qui proche yo et plusieurs centaines l'autre monde t'est venu pour participer dans cérémonie ça qui fait en plusieurs étapes et pour te finir avec une note qui porte l'espoir yo lagué dans ciel capitale là plusieurs blad et toute qualité couleur et devant mairie et 11e arrondissement pour rendre hommage à 130 monde qui étaient perdu la vie au jour ça attentat et 13 novembre 2015 dans la capitale pays la France non avec tout 350 monde qui étaient blessés dans attentat ça côté gagné jusqu'à présent qui peut encore faire et côté qui toujours en bas choc jusqu'à présent et gagné qui toujours à monter descendre l'hôpital ou bien à faire et physiothérapie pour capable et reprendre activité corps ou bien toujours caille et psychologue. En jambé océan Atlantique là pour atterrir dans Maison Blanche qui retiré 4 accréditations et correspondant en chef chaîne télévision américaine CNN la semaine passée mercredi passé dans conférence pour la presse président Donald Trump qui démontre une intolérance sans pareil comme un président par rapport à question journaliste a posé ça t'est passé semaine passée qui choquait en pile monde dans pays États-Unis et chaîne télévision CNN a annoncé journée jeudi a que attaqué Maison Blanche en justice d'après avoir retiré accréditation une journaliste yo semaine passée a, après président t'est attaqué journaliste pendant conférence pour la presse. CNN a signé administration tromplant devant la justice, devant un tribunal fédéral dans Washington. C'est sa chaîne, ça, qui baille nouvelle sans été déclarée en direct sur antenne. Li mandé pour remettre et journaliste nia accréditation en tant que correspondant en chef dans Maison Blanche, Jim Acosta. C'est sa chaîne télévision. CNN n'a fait qu'on est clair que décision Maison Blanche est sous ordre président. Pour retirer accréditation journaliste non Jim Acosta li prend sous une base de ça qui te gagné dans couverture que journaliste a fait et qui attaqué premier amendement
constitution américaine là sur liberté d'expression et c'est ça en direct Ted Boutrous qui est avocat CNN là et déclaré Donald Trump attaqué depuis l'arrivée sous pouvoir sans garder derrière de médias tant que CNN tant que journal New York Times et pendant que pas gain problème à Fox News qui gagne même tendance politique avec plusieurs fois déjà il attaqué puis défié CNN et Acosta tout qui c'est correspondant qui accrédité dans Maison Blanche nous pas capable accepter que Maison Blanche a mette journaliste dehors juste parce que le paraît mes forme tête yo il paraît mes gens a couvri information d'après ça avocat CNN n'en fait connait Maison Blanche t'a annoncé jeudi passé il retirait accréditation journaliste Jim Acosta une sanction yo pas jamais moins que Maison Blanche prend contre un journaliste c'est de lendemain mercredi et après élection mi-mandat et côté que journaliste a insisté pour poser président une série de questions dans sa présidente mauvais coucon il te fait accrocher son véritable bataille box qui te gagné pendant une heure temps et demi dans Maison Blanche non et où sont monde qui pas poli et où sont monde qui sont horreur oui c'est sa présidente dit journaliste non Donald Trump te lancé dans figure Acosta et puis il t'a ordonné pour te retirer micro en même ça que youn employé Maison Blanche t'a essayé faire après bon c'était honte devine pour prendre et puis baisser à terre c'était terrible ça qui t'est passé hein parce que journaliste pas de les remettre micro après il t'a posé président plusieurs questions qui pas entrer dans sentiment Donald Trump Maison Blanche t'a justifié décision ça qui extrême et il a dit jusqu'à nouvel ordre et il dit que c'est pas pour question insistante journaliste t'a posé qui c'est doual mais parce que t'es présenté un comportement qui t'est déplacé d'après ça il fait connaître envers et dame qui t'est gagné pour te retirer micro non même donc c'est prétexte ça Maison Blanche bail finalement tout a tenté bail une justification mais qui pas convainc en personne et donc et voilà dans point situation hier et journée jeudi qui vient tourner un gros et affaire et le fait que révoquer accréditation journaliste n'a pas qu'à rentrer dans Maison Blanche pour la couvrir en quel événement depuis jeudi qui se passe là et faut que nous des associations et journalistes Maison Blanche yo et yo appuyer CNN ensemble avec Jim Acosta dans bataille ça qui c'est une attaque contre liberté la presse alors ce prétexte yo prend peut dire parce qu'elle pas de blé bail jeune son stagiaire qui appelé Monica Lewinsky et que le patron voulait remettre et micro là son stagiaire là était obligé baisser le plonger à terre après le fin aller micro dans mais journaliste qui micro et puis qu'on a même été obligé de descendre elle était honte et puis il dit peut-être ça qui fait que il a retiré accréditation mais il y a une explication qui pas convainc évidemment CNN et personne monde. N'a vini la Kaipano, gen directeur général Impoa dans yon avis qui fait toute propriété machine songe période pour retirer vignette véhicule le machine yo commencé depuis 1er octobre pour rivé bout 31 décembre 2018 et qui donc yo capable jeune vignette pour plaque machine yo dans tout bureau DGI d'après sa avis en dit directeur général Impo DGI a demandé mettre machine yo et pour yo marché ak pièce sa yo matricule fiscale qui ajoute c'est-à-dire qui pas bah qui pas à la mode encore dépassé quatre enregistrement machine nan assurance machine nan et une assurance tout qui et ajoute et puis certificat ak livret déclaration définitive des impôts moun ki met machine nan impôt et sous revenu pour année 2017-2018 et puis tout certificat et qui dit et qui ajoute si machine n'est pas pour moun nan son machine qui pour yon entreprise ou bien yon institution c'est Miradé Morlan directeur général DGI qui signe avis ça l'autre avis c'est service maritime et navigation d'Haïti Semana et avis ça c'est pour moun relé gens de mer moun qui a travail sur la mer activité direction général service maritime et navigation d'Haïti Semana rappeler l'autre fois encore rappeler amateur yo marin yo faut que yo gagne yon livret professionnel et maritime qui c'est une obligation pour capable exercer métier comme moun k'ap travay sou la mer
et informé yo gen nan sans sa gon cellule yo mette en place nan semana nan tout bureau semana gen yo pour yo capable travail sou dossier moun ki a travail sou lan mer yo et pour yo capable gen rapport et formel ak dans domaine administratif ak technique ak semana pour raison ça yo mande tout moun professeur se activité sou lan mer et amateur marin et pour yo aller dans youn nan bureau que yo jwenn ki pi proche et pi près activité yo bureau semana pour yal renouveler ça les livret professionnel yo et ou bien pour yo al enregistrer tête yo et pour la première fois donc opération a commencé à partir de 22 novembre y a fini dans date 22 décembre et yo mandé pour conformer yo dans délai que semana ba yo et cependant direction générale semana dit l'a obligé appliquer ça que article 400 dans chapitre 3 dans code maritime nan dit sous question sanction yo prévoir pour faire tout monde qui t'a passé en bas pied décision ça pour payer amende qui a sorti dans 50 000 goud rivé jusqu'à 500 000 goud tout professionnel qui fait activité dans la mer marin qui pas ta gagner et passeport elle dit passeport professionnel yo. Et qui se livré professionnel maritime nan qui valide ça veut dire que là on mais ça veut dire c'est qu'on licence lié dans période que y a peine activité qui permettent que fonctionner sous la mer et pour un plus bon gestion dans dossier monde qui travaille sous la mer direction générale semana dit compter sous bon comprendre chaque monde qui concerné et il salue yo avec un pile chaleur et c'est Dieudonné Bruno capitaine directeur général semana qui signe avis ça mais le deuxième avion direction générale service maritime navigation d'Haïti semana fait amateur bateau yo marin en particulier connaît que quel que soit bateau qui a opéré dans l'eau la mer dans pays d'Haïti et peut-être tout ça 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 concerné et fleuve bon et puis ça parle de la mer là et fok moun sa yo yo gen papier nan men yo et les gardes-côtes rencontrés avec eux qui montraient que yo respecté la loi yo enregistré donc il y a structure mettait en place pour ça dans tout bureau semana yo pour règlement formalité administrative et technique ça yo concernant dossier bateau yo faut que gagne et pour raison ça yo mandé tout mettre bateau et pour aller dans une bureau semana qui plus près yo pour yo capable aller chercher immatriculation qui donc plaque bateau même genre pour machine et ou bien pour aller renouveler certificat concernant plaque immatricule bateau à tout papier qui doit marcher avec tout bateau c'est obligation à partir de 7 janvier 2019 doit gagner papier sécurité qui valide et pour naviguer dans la mer dans pays d'Haïti et si c'est pas ça j'en que article 400 dans chapitre 3 dans code maritime dans dire concernant sanction prévoir il y a pour payer amende sorti 50 000 rivé jusqu'à 500 000 goud il y a appliqué contre mettant quel que soit bateau qui pas en règle depuis que le pagain immatriculation en règle donc c'est toujours même directeur et semana Dieudonné Bruno capitaine directeur général semana qui signe note ça. On a dans le parlement haïtien côté commission travaux publics transport communication dans sénat tendez journée jeudi à la tête en compagnie Digicel là Martine Bout et rencontre s'est déroulé sous problème abonné Digicel lui a fait face qui pas gain solution chaque jour et mauvais service et à façon compagnie a fonctionné président commission qui c'est la tête calé Hervé Foucan sud et fait connaître il a posé Martine Bout diverses questions et sous diverses dénonciations clients Digicel lui a fait et contre compagnie et qui gain à ouais avec mauvais qualité service la bouffrie et selon sénateur ça et ensemble avec sénateur Soel Jacinthe unité Godos il fait connaître responsable Digicel là et dans occasion audition ça et parler de divers problèmes compagnie a fait face en pile côté dans pays pour arriver fonctionner comme ça doit sénateur Foucan avec sénateur Soel annoncer commission a gagner pour inviter responsable Konatel yo avant longtemps sous problème licence li pa vle bay Digicel autorisation pour service 4G a d'après ça yo précisé entendez yo après l'autre président commission transport communication à travaux publics dans Sénat Hervé Foucan
et ak mam commission ça sénateur Soeur Jacet dans micro Vinner Joseph. Pour éviter pour nous te connaître qui ça qu'a fait pour qui se raison problème qui tout problème ça yo pour ce peuple là lui même mettez nous là pour nous qui ça qu'a passé pour qui ça peuple a souffert comme ça et sur ce nous te entreprendre pour ces deux questions de poser collègues et Sorel de poser problème yo et nous même pour côté ba nous te poser problème yo parce que nous voyons que gain ou gourmet entre Konatel et service cabal communication dans pays sur ce et nous même nous engagement pour nous mettre Konatel ensemble avec Digicel Chita pour nous qui jeune ca résoudre premièrement dans problème moun ka coupé fibre optique dans problème interférence dans problème ca voler gaz toutes sortes de problèmes que vous rencontrez ni au niveau de fréquence et ni au niveau de fréquence ni au niveau de nouveau système que Digicel veut mettre en place ça qui va permettre que résoudre tout et tout problème communication ça tout, ça, tout c'est problème yo posé problème de licence discussion au niveau des banques. Posons problème de la justice, parce que justice là pour lui-même n'est pas fait travailler, problème de sécurité. Bon, on comprend aussi la grande stabilité qu'on a, on voit dans le pays, hein, parce qu'on connaît, sans la stabilité, business pas qu'à marcher, j'aime pas marcher. Justice n'a pas qu'à travailler, il y a le travail, sécurité pas bail, donc nous poser tout problème ça. Moi-même, moi j'ai dit, c'est une version des faits, parce que le monde qui pourrait régulariser, c'est Konatel. Donc nous allons inviter Konatel. Pour les enfants de Konatel et pour qu'on chita ensemble pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre le problème. Parce que là, en bout de ligne, c'est la population, c'est le service qui est mal fait. Et il dit oui, dit celle capable de moderniser avec 4GA. Mais cependant, il faut une licence. Et Konatel, il n'y a pas qu'à faire sans licence. Donc, dans tout problème qui s'est posé, c'est que si nous voulons poser solution, c'est rencontrer avec Konatel d'abord et puis mettre tout le monde ensemble pour comprendre comment nous sommes capables de résoudre. Pour qu'on soit capable de faire recommandation parce que nous sommes pas contents de Konatel, c'est pour ça que je dis c'est une version que Digicel bail. En attendant l'autre version, parce que c'est Konatel qui connaît tout le problème, l'infini d'Adel qu'on est capable de faire recommandation. Un, c'est problème justice, instabilité qui gagne dans le pays. Deux, et Digicel dit très clairement les problèmes d'interférence. Trois, les deux ont question, il y a volé de tous côtés, il n'est pas capable, même lorsque le réseau de la justice, il y a pas de problème. Quatre, les gros problèmes 4G, pour jouer le bon 4G, il faut qu'on a une licence, il a discuté depuis 2 ans. Donc, entre nous, si moi-même, en tant que sénateur, Hervé, en tant que président de la commission, nous voulons faire des recommandations à Digicel ou à Konatel, il faut entendre deux. Premièrement, institution qui l'a pour réguler et Digicel lui-même qui capte service et service là bail mal. Voilà, deux sénateurs Sayo, président commission, Hervé Foucault, et membre commission, Soeur Jacet dans micro, Vilner Joseph. Mais à la tête Digicel là, Martine Bout, fait qu'on est devant la presse, il a fait face à un pile de difficultés dans diverses zones dans le pays pour compagnie fonctionner. À cause problème matériel yo gen, problème gaz ak fibre optique et y a perdu chaque jour et selon monsieur Bout situation ça empêcher compagnie Digicel fonctionner comme ça doit et puis bay abonné le bon gens service il fait qu'on est Konatel dérefuser bay Digicel licence pour utiliser service 4GA n'attendez patron Digicel la Martine Bout qui te parlait comme ça toujours nan micro journaliste qui était là parmi eux collaborateur nous Vilner Joseph. Le premier plus grand problème auquel nous faisons face, c'est depuis le mois de février, nous avons des interférences importantes sur les fréquences de la Digicel. Cela se présente à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Saint-Amand, dans différentes zones du pays. Donc ce n'est pas seulement un problème port-au-princien, c'est un problème national. Le deuxième problème qui devient de plus en plus important, surtout avec l'insécurité qui s'installe dans le pays, c'est les problèmes récurrents de coupures de câbles, de vols de carburant, de vols de batterie, de vols même de Delco. Tout genre de vandalisme et de vol sur les sites de nos installations. Cela s'aggrave par des cas de racketage, par des gangs, par des communautés dans certaines zones qui bloquent l'accès à nos ingénieurs pour arriver sur les sites. Il faut savoir que la Digicel a 1600 antennes dans le pays. En moyenne, par jour, on a entre 60 et 70 antennes qui sont bloquées, qui sont à l'arrêt pour une raison diverse, que ce soit le vol de carburant, coupure de fibre, blocage par la population. Ça s'aggrave récemment parce que la justice est en grève.
Donc on a eu des cas où les juges ont posé des scellés sur des sites, que c'est des sites qui sont bloqués depuis plus d'un mois. Donc il y a des communautés qui n'ont pas d'accès à la communication depuis plus d'un mois. Ça se fait surtout en dehors de Port-au-Prince. Et tout ça vient s'aggraver par le fait que depuis 2 ans, nous aurons dû moderniser les réseaux, nous aurons dû investir dans une nouvelle technologie qui s'appelle le 4G LTE. Nous n'avons pas pu le faire parce que nous ne sommes pas encore tombés d'accord sur le prix de cette licence avec le Conateur. Donc je pense que c'est utile, c'est là où la commission TVT s'en mêle également, pour essayer de faire la part des choses, pour essayer de faire avancer cette discussion. Parce que dès que cette discussion est clôturée, la Digicel va investir massivement dans le pays. Ce qu'on avait fait à l'époque pour le 2G, pour amener le GSM, maintenant on veut le faire pour le data. On veut amener le 4G LTE partout dans toutes les villes de province à travers le pays, et le 3G de la nouvelle version du 3G dans tous les autres côtés du pays. Donc ça veut dire que vous allez avoir des accès à haut débit. Donc c'est un investissement de plus de 800 millions de dollars américains. Le pays n'a pas vu ce type d'investissement depuis des années. Dès que cette question de licence est débloquée, dans les mois qui vont suivre, vous allez commencer à voir la différence. En attendant, malheureusement, on est un peu assujetti à ces problèmes, donc on doit résoudre ces problèmes rapidement. Donc j'encourage à ce que cette réunion avec le Conatel puisse se faire rapidement, afin qu'on puisse débloquer cette situation et aller d'avant et regagner la confiance de la population. Il n'y a pas de vol de crédit des clients, je vous le dis encore une fois. Donc si vous avez des cas précis dans ce sens, à chaque fois, on peut vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec vos minutes. Il n'y a pas de vol de minutes, et ça n'existe pas. Donc ce qui existe, c'est que vous avez souscrit à des services que vous ne devez pas souscrire. Quand vous recevez des SMS qui vous encouragent à souscrire à des services, ne le faites pas si vous ne voulez pas ce service. Dès qu'un service pour service renouvellement automatique, tout ça, nous pas faire. Parce que vous allez recevoir pour chacun de ces services un SMS. Le SMS vous dit clairement, pour ne pas utiliser ce service, envoyez stop à tel ou tel code. C'est très facile, vérifiez vos SMS. Si vous pensez que votre crédit disparaît, vérifiez dans vos textos et allez voir directement. Vous allez voir clairement que pour chaque débit qui est fait sur votre compte, par Digicel ou par des partenaires, il y a un SMS qui est envoyé. Donc il n'y a pas de vol, il y a des incompréhensions qui existent. Voilà, patron Digicel, Martin Booth, après le côté à la commission et travaux publics, transport, communication dans le Sénat jeudi, et sous mauvais service, compagnon à bail clientèle qui a dénoncé. Et Martin Boutou, il y a une revendication, chacune sous tendelle, et bon côté l'État, dans le micro, et Vilner Joseph. Nous n'avons pas représentant la circonscription Mibaléa dans la Chambre députée Abel Descolines dénoncé la décision du gouvernement prend pour retirer dans le budget 2017-2018 dans l'argent parlementaire voté pour faire la cité développement dans la commune et la section communale. Député a fait connaître dans le budget ça, parlementaire, te mette 7 millions de gouttes pour la commune et 1 million, alors pour chaque commune, 1 million de gouttes pour la section communale. Il fait connaître le pouvoir et décider de réduire comme ça, mettre 5 millions de gouttes et puis c'est 700 000 gouttes, 5 millions pour la commune, 700 000 et pour la section. Abel Descolines demande pouvoir exécutif la respecter constitution selon parlementaire agent de décision ça yo que pouvoir apprendre il pas capable prendre mesure contre tout monde qui a violé et maman loi pays n'attendait qui t'ai parlé comme ça dans micro Vilner Joseph. Nous gagnons la plus grande stupéfaction pour nous apprendre en dehors du vote du parlement gouvernement au lieu de 7 millions de gouttes qui étaient votées pour les collectivités, yo passé de 7 millions de gouttes à 5 millions de gouttes. Alors que 1 million de gouttes qui étaient votées dans le budget rectificatif 2017-2018 pour les CASEC, pour les sections communales, yo décidé by CASEC yo seulement 731 000 gouttes. Donc nous estimons que c'est une violation flagrante de la loi de finances 2017-2018 et nous sommes en train de se poser la question. Sommes-nous dans un état voyou lorsque législation les entériner au niveau du Parlement qui, selon la Constitution, les appeler pour que le vote loi. Donc, nous finissons voter un budget avec des sommes bien déterminées
au bénéfice de communaux, au bénéfice de sections communales et quelque part au sein des ministères, au sein du gouvernement, il a décidé de faire de réaménagement contrairement à votre Parlement. Donc, nous dénoncer avec la plus grande rigueur cette violation de la loi de finances 2017-2018, côté 7 millions de gouttes qui étaient votées pour les communes, gouvernement réduit à 5 millions de gouttes, et les 1 million de gouttes qui étaient votées pour les CASEC, pour les sections communales, ils ont décidé, by CASEC, seulement 700 000 gouttes. Et de surcroît, nous avons adressé une correspondance au bureau de la Chambre des députés, au président de la Commission de la planification et de la coopération externe. Nous avons également adressé une correspondance au président de la Commission intérieure et des collectivités pour que dans un bref délai, yo invité ici à la Chambre des députés le ministre de la planification et de la coopération externe, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le cas échéant, le ministre de l'Économie et des Finances pour que Yovine explique avec paysan à travers la représentation nationale qui ça qui explique que de l'argent voté dans le budget et que somme que parlementaire yo voté gouvernement décidé lui-même procéder à des réductions. Député Abel Técoline, représentant la circonscription Mire Baleine en 50e législature. Pas grand changé dans le tribunal civil Port-au-Prince qui est toujours bloqué deux semaines après Bao dans la capitale là. T'es pour une résolution côté que avocat a fait grève après l'Assemblée générale ça pour exiger démission commissaire gouvernement Port-au-Prince, mettre clamé Octane Damaeus et puis arrestation directeur police dans l'Ouest Berson Soljour. On sait avec policiers qui étaient impliqués dans accrochage avec deux avocats dans zone Delma 33 dans commencement mois octobre et met Nelson Flécourt faire connait mouvement grève ça qui déclenché dans tribunal là bloqué dossier et toute une série avocat parmi lui-même qui pas capable traiter dossier dans sens ça avocat qui était candidat pour poste président dernière élection bâton jeunesse là c'est non parti là mandé autorité concernée prend disposition pressée pour résoudre crise là. N'attendez maintenant Nelson Flécourt dans micro Benson Henry. Suite à la résolution, on est encore bridouille. Cela va sans dire que l'État en Haïti est faible. Vu qu'il y a une résolution, ce n'est pas les barreaux. Quand on dit résolution, ce sont les avocats qui réunissent par assemblée. Et en fonction de cela, il y a une résolution qui a été prise. Et cette résolution n'est pas l'œuvre du barreau. C'est l'œuvre des avocats, c'est tous les avocats. Nous-mêmes, tout, nous avons des problèmes parce que moi, j'ai pas mal d'affaires qui bloquent pas capable de eux. Nous avons des problèmes, nous avons un cadavre qui n'a pas besoin de prendre, pas capable de prendre, pas capable de ordonnance. Nous avons des fonds, retrait de fonds, pas capable. Nous avons des marchandises qui ont des problèmes là, confisqués, pas capable. Moi-même, je suis là sous deux angles. Deux raisons, un côté que oui, nous sommes d'accord, nous sommes capables en grève, mais cependant, nous sommes capables de libérer les affaires urgentes. Pourquoi? Parce que en matière de droits, les affaires urgentes, c'est sans remise ni délai. Parce qu'il y a péril dans la demeure, et quand il y a affaires urgentes, donc c'est séance tenante, c'est la raison pour laquelle la loi fait de nous capables de demander à l'honorable le doyen une ordonnance abréviative afin de solliciter ordre du doyen pour assigner à bref délai pour nous capables à devant tribunal avec tel ou tel individu. Malheureusement, donc il semblerait que c'est morgue, c'est grève totale. L'ancienneté à l'État, quel est le rôle de l'État? Il y a un premier ministre, il y a un ministre, il y a il y a le président. Quand il y a un problème au niveau d'une institution, les autorités doivent intervenir pour dire mais quoi faire? Il y a trois possibilités. C'est ou bien Oknam Tabay démission, ou bien autorité a révoqué Oknam, ou du moins tout, autorité au vin là pour prouver que ça qu'a fait là, il y a contrainte et défaite li, et puis au vin là, il faut faire le travail. D'ailleurs, nous pas arrêter là carrément, nous pas faire le travail. Puis chaque jour, vin là, pas de travail, parce que nous-mêmes, tout, en tant qu'avocat militant, nous avons un cabinet, nous avons des obligations. Donc si effectivement, il y a un différent où les avocats ont arrêté de travail parce que, par le fait qu'il y a contesté et protesté d'un acte par lequel je trouve qui inappréciable, qui pas tout à fait légal. Rôle l'État, c'est intervenir pour dire même, je suis avec Batounier, je suis avec Doyen, je suis avec la ministre de justice là, pourquoi pas même le président et même le premier ministre pour voir comment solutionner les problèmes. C'est pas un problème, j'ai moi-même avec Oknam, parce que j'ai pas un problème personnel avec Oknam, mais
quand il y a une décision prise où les avocats refusent de travailler, prétextant ou bien pour une raison ou d'une autre, on demande le départ du commissaire. Donc le commissaire lui-même également se trouve dans l'impossibilité de travailler. Pourquoi ? Parce que comment vous allez travailler avec des avocats qui ont demandé votre départ ? Si vous êtes ici, tous les avocats, peut-être qui sont là et qui demandent votre départ. Bien qu'il y a des avocats qui n'acceptent pas, mais cependant, vous allez effectivement malvenir. Moi-même, à ma situation, je pourrais moi-même donner ma démission. Ou du moins, on pourrait me faire envoyer quelque part d'autre. Voilà, M. Nelson Fleco. Et il l'autre part, il dénonce ses décisions, il dit gouvernement prend pour mettre en disponibilité substitut commissaire gouvernement qui démette interdiction de départ contre un citoyen Evans Paul. Et pas Evans Paul, je pense que c'est le premier ministre. Il critique toute autorité concernée à cause, d'après ça, il dit, il n'a pas renouvelé le mandat en série de juges. Il dit qu'il y a une preuve. Et yo dans système justice haïtien hein? Et n'a écouté une autre fois encore maître Nelson Flecou et dans micro Robinson Henry. Commissaire Lafontaine, par le fait que lui seulement mettait un acte d'ailleurs pour le demander pour pas quitter un monde voyage qui est Evans Paul. Evans Paul, c'est un citoyen ou un justiciable que commissaire ça te mettait un papier d'ailleurs pour le dire pour interdire pour l'interdiction de départ. Il semblerait qu'il prenne pour Evans Paul. Peut-être ça, il y a une disponibilité sans sol. Vous trouvez que c'est abus, on ne peut pas abuser le droit d'un jeune garçon qui fait droit, qui après, chez son bon commissaire ici, qui préparé. Il n'y a pas qu'à voir lui, allemand, j'ai fait bois dans la ria. Ça le fait, si c'est effectivement le fond, il mérite un blâme. Il y a une lettre de blâme, mais il ne pas mérité être de blâme tout. Il doit mettre une interdiction de débat pour individu. Evans Paul n'est pas Evans Paul. Et puis ensuite, s'il s'agit de cas d'Evans Paul, Evans Paul a pour un avocat, c'est ça que fait nous là. Pour l'avocat, il demande pour que ça mette une interdiction de débat pour lui-même, pour nous demander pour le level. Et puis je vais le level. Nous pas le point référé pour le level. Mon pas qu'à révoquer on est ou bien vous et l'allemand, j'ai pas à la carrière libre. Mon jeune garçon qui a l'école, mais même pas d'accord ça. Qui a su prendre décision ça? Donc même l'État qui voit commissaire ça, chita à la carrière libre, sans sol, il n'y a pas de droit. Il me protestait chaque fois que j'ai une possibilité de jouer un micro. M'a dit moi, me protestait pour me retenir dans le poste pour payer tout comme lui. Il n'y a pas rien. Si monsieur a metté un acte par lequel il dit tel individu n'a pas le droit de laisser le pays, individu ça a supposé prendre un avocat pour assurer sa défense. C'est pourquoi qu'il y a des avocats. Parce que monsieur, est ancien premier ministre, si c'est à lui même vraiment. Donc, quel bon avocat, le capitaine avocat. C'est même le cas pour le juge. Mandat fini, on parle de Maxime Meji. Mandat fini depuis combien de temps là? Il n'y a pas jamais renouvelé mandat. Et son bon juge, monsieur Deye, son équipe propre, son équipe qui dossier le traité le bien. Pour qui ça ne peut pas renouveler mandat, il a quitté là. Il n'y a pas jamais renouvelé mandat. Tandis qu'il y a bon monde là qui part. Des fois, il voit des gens là, pas comme Béaba dans la justice là. Et puis, ça qu'on est même. Par le fait qu'il n'y a pas de forme de tête, il n'y a pas de nouvelle mandale. Et nous, qui sentissons tout dans le coin des bouquets, moi-même, sentissons mal devant combien de fois, je plaidais, je perdis. Mais ça n'est pas parce que je suis mal devant, monsieur, je perdis, pour que ça fait que si il a fait le maillon à Bibadil, il a abusé de l'eau. C'est vrai, je suis mal devant, sentissons, je perdis, je ne pas gagner pour chez moi, mal n'a plus devant, mal n'a appel. Mais cependant, sentissons ton bon juge, mandale fini, pour qu'il n'y ait pas renouvelé. Tandis que, Mounio va aider là, le plus compétent facile. Donc, on ne peut pas faire ça aux gens. C'est comme s'il y a un découragement au niveau du savoir académique. C'est comme si on dit on n'a pas besoin d'aller à l'école. Parce que si vous allez à l'école, vous allez être intransigeant, vous n'allez pas pouvoir accepter toutes sortes de bêtises. Finalement, on va avoir des problèmes avec vous. Voilà, c'est Maître Nelson Flecou qui a parlé comme ça dans le micro Robinson. Olapalais.com. Les choses me baguent ça comme information, mais moi je dis que dans la mesure où nous pas capables toute bagarre nous dis un seul panier politique, finalement qu'est-ce qui va nous rester, hein? Ah, mais question non cadre institutionnel, n'a traité le cadre institutionnel à la lumière de la loi, à la lumière des règles de procédure, et puis en ce cas de la rouge politique, moi je pour auditorium auditrice nous pas avec une explication pour raisonnable, il y a privé gagné à partir de là. Voilà, c'est ancien secrétaire d'État justice là, maître Jacques Auxilius, sous mesure conservatoire, commissaire gouvernement Port-au-Prince, prend maître clamé Oknam Dameus qui mandait pour bloquer compte en banque une série d'entreprise et qui était fait affaire avec l'État dans le dossier Petro-Caribé à cadre en question. Kit scolaire, là. Il a répondu à une question. Beethoven François Fils. Non, chapitre qui a à revoir avec un dossier drapeau, il y a M. Lorenel Louis qui fait déclaration dans le micro. Nous,
li présenté le d'ailleurs comme responsable secrétariat juridique plateforme Petite Dessalines qui gen en tête li ancien sénateur Moïse Jean-Charles Moïse dit il appuyé évidemment et Zach politique ancien sénateur a posé et dans date 10 novembre qui s'est passé là elle monté drapeau noir à rouge et dans et sous place publique historique Vertière là avocat qualifié action ça de Zach politique parce que il dit n'a cité ce système là qui pas bien marché n'a attendé déclaration maître Lorenel Louis. Nous-mêmes, n'a pas tiré pour la population qui a là que Zach politique ça, petite Dessalines assumé là 100%. Et, il y a une dimension symbolique dans Zach qui fait là. Qui est-ce qui te baille Pétion? Qui est-ce qui te baille Boyer, l'autre, pour te changer constitution noire et rouge là, après au fin assassiné Papa Nation? Pas de gens qui te baille ou doit ça? Si journée jodi a la système nan li nan fin système nan dysfonctionnel système nan pas capable bay résultat c'est normal nous questionnel et nous dit drapeau noir et rouge là li symbolise bien-être population puisque Dessalines te dit est-ce si là ou qui sont en Afrique est-ce que ou pas gen droit pour gagner mosso nan gato pays a est-ce que ou pas gen droit tout pour gagner bon genre logement sociaux est-ce que ou pas gen droit pour jouer ensemble des privilèges nous est constitution impériale là li prône véritablement yon paquet avantage social pour population an. Et bien dans ce sens ça nous dit nous camper kin à la ganache des actes politiques ça et nous même comme responsable secrétariat juridique nous camper des questions ça nous camper ensemble avec sénateur Mouge Jean-Charles pour nous défendre question ça jusqu'au bout. Maître Lorenel Louis, responsable juridique dans plateforme Petite Dessalines. Bon côté par le secrétaire général Rassemblement pour une alternative solidaire identitaire nationale Racine Joël Ernst Jean-Pierre qui appuie mouvement levé campé qui prévoit pour fête dimanche 18 novembre qui a venir là pour exiger démission et président Jovenel Moïse d'attendre déclaration Joël Ernst Jean-Pierre Fernand Mikoun. Et puis jodi a la nous comme depuis que n'a fait nous vinn di mot par nous en dedans conjoncture en dedans contexte sociopolitique nous jodi là et mot par nous c'est nous vinn corriger mouvement lever campé qu'a fait dans tout pays a le système sociopolitique là faut qu'il change et pour le changer nous besoin que nous faire un travail de élévation capable dit et développement culturel masse populaire masse paysanne sérieusement. Et nous dit que nous même clair c'est pour ça nous ça nous dit sauf une révolution sociale culturelle capable de faire ça et nous dit momentum non il arrive le jour ce momentum insurrectionnel peuple a soulevé peuple a fâché peuple a pas content peuple a plein viré tête en bas les viré yo et dans moment ça pour nous capable et non seulement rapidement nouveau gouvernement ça aller mais rapidement tout pour nous joindre une stratégie et pédagogie pour nous mettre au gouvernement de salut public qui capable qui comprendre des états peuple là qui comprennent problème peuple là qui comprennent aspiration peuple là qui comprennent besoin peuple là pour être capable de faire deux bagages principales. Un faire jugement pour restitution l'argent Petrocaribe à que nous voler là et puis deux réaliser ça nous relève youmblé refondation nationale refondation toute institution parce que institution failli écrasé par l'état encore nous dit l'état sont cadavre et sous cadavre là on pas faire rien sérieux que son pourriturier. Tout ça, c'est le balot pour faire, c'est prendre, râler le front, bien front fourrel, enterrer le balot tout neuf. Et c'est balot tout neuf ça, le gouvernement salut public ça pour le gagner, pour le construire. Voilà, c'est dirigeant Rassemblement pour une alternative solidaire, identitaire, nationale, Racine, Joël Ernst Jean-Pierre, secrétaire général qui t'a parlé comme ça. Non, micro, non, concernant mobilisation 18 novembre, non. Nous pour attendre correspondant nous en bas Artibonite Milson Adeus. Secteur démocratique là, branche bas Artibonite là, rencontrer ak pour encourager citoyen yo occupé béton 19 novembre k'ap vini là pour mandé Côte Cop Petrocaribéa, Walker Telemac, Mérès Jean Mikado ak Jean-Pierre Kevin qui t'a parlé dans non secteur démocratique là,
assuré yo, il y a un gros soulèvement 18 novembre 2018 là, pour forcer le président Jovenel Moïse, tant de la raison. Mais nous comprenons que le pouvoir est utilisé la police assassin pour te tirer sur la population. Nous connaissons tout ça qui passe, c'est ma grand pile monde qui prend balle. Je dis à Gessa qui prend soin de l'hôpital Saint-Nicolas, qui l'a caillou, mais Gessa qui dehors l'hôpital Benamez qui prend soin, Gessa qui l'hôpital et Mibale qui prend soin. Nous mettons avec tout le monde qui a esprit mesquin, tout assaillant, tout assassin qui a l'idée pour une fesse sans peuple à couler. Nous dit non, ça va passer. Faut que le peuple ait un résultat dans l'agent Petro-Caribéa. Faut que l'agent Petro-Caribéa, faut que lui clairement identifié pour nous marrer tout le monde qui complice la donne. Castro dit déjà, le non pays pas gain éducation, pas gain environnement, ou un non pays comme ça, peuple a gain droit pour rébeller. Et c'est ça que fait Jodia dans le cas. Et c'est ça que fait dans tout le reste pays. Nous continuons à demander et être mobilisés parce que pour voir ça, pas gain capacité. Dirigeant, secteur démocratique là, dans Bala Siboni, c'est menté, il y a goumé jusqu'à ce que tout le monde qui gagne nos cités qui coupable à le fermer en prison pour Zak Maronet ça, yo commettre dans gaspiller l'argent pays à Bala Siboni Semak, 1100 Madeus, Kiskeya. Merci, bien président conseil municipal quoi Debouka monsieur Ronny Colin, non lettre qui peut date 12 novembre hier qui écrit président Fenamnan Jude Edouard Pierre pour dénoncer à toute force les silences en Fenam par rapport à menace verbale l'a subi et depuis quelque temps nommé monsieur Eudes Lajoie qui est directeur Office national migration et il dit que pendant participation monsieur Lajoie dans une émission sous antenne radio Mega 103.7 et bien monsieur Pat mette l'ongni dans poche li pour te faire et de menaces et pour te dire des paroles piment bouc et contre magistrat d'après ça il dit pour te attaquer ville et il dit que tout ça que te dit sous dio un paquet il y a un paquet de conséquences et rapide dit par exemple une attaque ciblée qui fait contre premier petit garçon Dave Colin c'est des individus qui te gain gros arme fond fois dans main dans zone Saint-Christophe qui chita dans entre nord commune nord et après ça te gain une autre attaque qui fait contre cortège Pal toujours dans même zone nord. Et il dit, par trop longtemps, selon information, il a fait confiance dans Petit Mamite. Il dit qu'il y a des bandits à gros âmes que pouvoir payer pour s'y mettre dans la zone Saint-Christophe là, de façon pour capable de faiblir l'autorité comme magistrat commune, et qui c'est de manœuvre politique avec politicienne, il a fait contre lui. Et il dit, il a parlé avec le président Fenam, il dit, en tant que magistrat titulaire commune, quoi des bouquets et membre Fenam, mais constaté avec gros saisissement que fédération pas jamais levé ti doit li jusqu'à présent pour dire rien li pas jamais gen ken réaction après toute attaque ça que pas subi non mais yon moun ki fait partie de pouvoir alors c'est assimilé et monsieur Lajoie à exécutif là pas quoi c'est exact mais à pouvoir oui li dit m'vle pour attirer attention et pour faire connaître n'importe nan nous dans fédération t'es capable victime même gens en bas gens de menaces malveillantes ça yo et c'est pour ça et corps que nous la donne il doit réagir il doit manifester solidarité l'elle condamner gens de comportement ça yo à partir de tout ça me dou là moi crois que c'est nécessaire et de saisir opportunité à m'attirer attention et Fenam sur ça me dit là yo et qui ta doit interpeller toute et corporation qui donc fédération magistrat yo et espérer que n'a comprendre démarche lien et saluer c'est Ronny Colin magistrat titulaire croix des bouquins et qui voyait copie les ça d'ailleurs à parole Eudes Lajoie et il voyait copie à la presse by RNDDH PYDH fondation J'éclairé CJLAP BODDH by ambassade américaine ambassade pays la France ambassade Canada ambassade l'Espagne olapalais.com Simone qui a participé dans concours chanter Noël dans l'école radio Kiskeya a organisé n'a rappelé nous pour toute information yo rele dans 44 40 36 70 44 40 36 70 ou bien 43 43 29 01 nous a écrit tout dans adresse email ça et tout coller chanter Noël dans l'école en créole chanter Noël dans l'école à commercial@gmail.com M'attend nous et toute l'école qui déjà inscrit on attend nous pour participation ça pour nous capable faire une belle fête 22 décembre qui a venir là. Radio Kiskeya compte sur nous.
à peine d'arriver dans pays États-Unis après s'être participé dans grosse cérémonie qui s'est passé 100 ans depuis la première guerre mondiale là t'est fini en 1918 et puis avec un gros forum sous l'appel pas de participer là-dedans président américain Donald Trump attaqué allié li Emmanuel Macron sans garder derrière d'abord il passe dans bêtise il dit monsieur pas un président qui populaire pas plus que 20% population qui a marché derrière non série de tweets vous voyez on connaissait tweetocratie avec Trump et il très énervé président retourné et sous proposition Emmanuel Macron te fait un vol et aller en France dans semaine passée il était jugé qui c'était une insulte une soufflette le fait que il te dit que Europe là doit gain propre armée pas pour protéger tête li de la Chine la Russie mais tous deux États-Unis et Emmanuel Macron mandé pour créer propre l'armée pour protéger l'Europe là contre États-Unis la Chine avec la Russie mais c'est l'Allemagne dans première guerre avec deuxième guerre mondiale là avec j'étais en affaire d'après ça écrit sur compte Twitter. Il va connait français, on était déjà commencé à apprendre parler allemand. Les que nous-mêmes nous vinn libérer, les débarquer en France. Il a fait référence qui pas diplomatique du tout à l'occupation l'Allemagne nazie et à partir de 1940 fait dans pays la France jusqu'à ce que allié aux États-Unis et vinn libérer et français yo et yon épisode que la France se vive très mal occupation allemande. Il dit payer l'OTAN ou non l'argent que nous doit et il recommence encore il dit yo pas payer c'est comme c'est États-Unis qui supportent toutes dépenses pour l'OTAN et organisation traité Atlantique Nord pour garantir défense européenne et bon quelque chose à j'en prendre le président français a et c'est juste dans optique la plaider pour capable une armée européenne et président et américain pas digérer démarche ça et il pas pardonner monsieur nécessité pour protéger vieux continent contre la Chine, la Russie et même États-Unis dans le domaine cyberespace. Il dit que créer confusion, non. D'après ça, il fait connaître. Il dit même français, admet que il fait confusion dans le domaine ça. Malgré plusieurs parlementaires français qui a baillé le gouvernement français à pression, il dit pas quitter Donald Trump marcher sous pied comme ça. Le gouvernement pas breeding. Donald Trump. Et qui te remercier Macron pour bel accueil qu'il te bali et ben jeudi al fait connait monsieur pas un président qui populaire monsieur a parlé de nationaliste comme si la pouvait toi assouli il dit que est-ce que gros peuple qui pi nationaliste parce que peuple français et question ça le poser et il retourner sur plusieurs aspects encore il dit bon c'est tout à honneur français que nationaliste faut que on dit grande différence dans question nationaliste dans interprétation que l'Europe bali à partir de Hitler Mussolini deuxième guerre mondiale là avec l'autre pays tant qu'on Amérique latine. Donc Emmanuel Macron bilan li dans tête pays la France selon allié li Donald Trump, li fait qu'on a un problème Emmanuel Macron monsieur, li pas gagné en pile popularité. C'est à peine 26% moun qui appuie et puis li gon chômage qui a battu qui environ presque 10% d'après ça le fait qu'on et voilà, c'est comme ça le parler avec allié. Pendant ce temps ça faut qu'on dit li gagne la caille oui. Par exemple, il y a du feu qui a ravagé Californie. Pour Pipiti, il y a 42 personnes qui mourent, confirmées. Il y a 200 personnes qui disparaissent, sans compter Kai qui boule. Cela nous permet sur Radio Kiskeya pour ce programme. Nous, nous disons tout pour nous bonsoir à demain. Journal 4A, c'est Unibank qui te porte pour nous. Unibank, banque 5 étoiles là, c'est meilleure banque. Pour déposer l'argent. Journal 4. 4 chaque après-midi sur Radio Kiskeya. Journal 4, un seul journal à l'ESA dans tout pays. Journal 4, nouvelle totale. Olapalais.com